Le concert face à face, jeudi à la palais municipal d'Elma 33, nous ensemble avec Darlene Desca. Je connais vraiment où vous êtes fatigué, ou pas vraiment gain de temps. Moi, vraiment poser des questions. Pour qui ça, depuis le album est sorti, vous faites plusieurs tournées, vous faites plusieurs dates, et puis c'est pour les fanatiques qui ont joué au concert? Ben, c'est une série de concerts que la vie, c'est pas juste une graine, ok? C'est un concept qui a poté aller à travers le monde, ok? Là, déjà, je me dis que la fête dans différentes villes, m'a gagné pour me faire, peut-être pas avec mes artistes à chaque fois, mais c'est toujours aller vendre l'album, non, pour monter l'album, non, qui c'est pour ça, concept face à face le concert là. Face à face le concert. Pas oublier nous dans backstage après concert là. Donc déjà moi je me Saint Marc le 24 novembre. Après ça on joue moins Gonaïve, on joue moins Boston, on joue moins Maryland, on joue moins Léogane, Miami, toute qualité côté et aussi aux Antilles, Martinique, Guadeloupe, Guyane qui a venu en début 2024. Donc c'est tout ce concept là que m'a pas déposer dans différents. Moi, fanatique, tu es vraiment chauffé. Pour que ça soit, nous ne jouons pas Tony Mix dans la soirée. Tony Mix, malheureusement, il y a un empêchement de dernière minute. C'est pas pour qu'on ait des fois des choses arrivées. Même hier soir, ça arrivait que la pluie tombait pendant plus de 3 heures. Bon, on dit 4 heures de temps. Que finalement, c'était l'heure pour regarder la soirée. Là, on commence à 10 heures, nous plaît. On imagine qu'à Paysien, on l'a pluie fin tombée à 1 heure du matin et moi, annoncé un concert sur un boulevard. Même le de 300 personnes qui étaient arrêtées à Apton, c'est difficile pour moi. Vous comprenez? Donc, je ne vais pas seulement servir VIP parce que tu as un paquet qui t'a acheté des tickets qui est allé faire route. Donc, c'était bagarre arrivée. Vous comprenez? Nous n'avons pas toujours le contrôle de ce qui est arrivé, des situations qui sont capables d'arriver, qui ont empêché que nous sommes capables de délivrer. Nous sommes des humains, nous sommes, même avec tout le monde, même nous sommes des artistes. Donc, chaque monde qui a un rendez-vous qui va arriver. Donc, c'est ça. Moi, j'ai senti que vous avez créé une perspective à travers deux albums. Qui est-ce que fanatique qui attend à part de l'autre concert que vous annoncez? Mais bon, mon album fait sortir, je ne vais pas dire que déjà je pense à faire musique. C'est que l'album est vraiment vierge et son superbe album. Je recevoir compliments pour lui tout côté. Et ce n'est pas seulement de haïtien, mais c'était ça l'objectif, c'est montrer que nous sommes capables de faire des choses qui. Je ne vais pas dire que c'est le premier monde qui a fait belle bagarre dans la musique haïtienne, non, mais une femme qui a fait bel travail ça dans la musique haïtienne, non, c'est en plus lié pour la culture haïtienne non, et qui aussi a fait valeur, et femme là qui a fait valeur musique haïtienne. Non. Donc, c'est continuer à promouvoir l'album, vous comprenez? Donc, c'est ça. Merci à Phil Darlene Desca, je vous souhaite au succès. Avec, merci beaucoup. Bonne soirée.